Et nous sommes de retour. Yeah, ça c'est de la musique. On est de retour, on est à Néon. On va continuer notre petite aventure à Néon. On va voir un peu ce qui se passe. C'est parti, la dernière fois on a passé un petit moment à Néon déjà. On avait récupéré aussi deux pouvoirs avant d'arriver à Néon. Mais ouais, Néon est grand, Néon il y a beaucoup de choses à faire. Il y a plein de quêtes secondaires à faire. On va pas les faire, en tout cas pas directement. Strand Eklund make some of the finest ships in the settled systems. I'd love to get a look at their operations. Ok. On va se concentrer sur l'histoire plus ou moins principale pour le moment. Any luck out there? Ouais, tout est prêt. To the Astral Lounge and our cellar. Goodbye, my dear. See you at the next board meeting? Oh, I'll be keeping an eye on this little operation. Just in case. Good luck, all of you. C'est parti. Donc on a la sécurité pour nous et on a fait des recherches sur... le vendeur et tout ça, donc on devrait être bon. C'est parti. You know, I went to chef school. This ain't exactly where I was. On a aussi des nouveaux vêtements qu'on a achetés à Néon. Donc ça c'est classe, Sarah et moi. Here. Now, I don't know what the cellar looks like, but they'll have a security briefcase with them, larger than normal, big enough to hold the artifact. We should split up. The code phrase to identify yourself as the buyer is Ramsey and Travers. Ramsey et Travers, ok. Utilisez le mot de passe pour identifier le vendeur. Code phrases? My goodness, Walter, I think you're taking this espionage business a little too seriously. Remember, Ramsey and Travers. We'll meet back near the elevator. Ça marche. Ah, c'est parti. Donc faut trouver le vendeur. Les mecs, ils sont complètement... stone. This place is insane. Good. Ah, je crois qu'on l'a trouvé. Ça peut être notre artefact. What is it? Can't you see I'm busy drinking? Wow. Toi, t'as l'air vachement... Je suis avec Bob et les nonnes. Ramsey et Travers. Oh, really? I heard you all have a meeting in a few minutes, don't you? In one of those fancy VIP lounges? Speaking of which, I gotta get going myself. Excuse me. Ok. Bon, bah c'est bon, on lui a donné l'information. Hi! Having fun? I just saw our cellar walk by. Good job. Vous me devrez de l'argent quand tout sera fini. I know, I'm leaning on you a lot. What can I say? You're reliable. It's what top performers are made of. Now before we head in there, let me go over the ground rules. He'll ask for twice what we agreed on. That's normal. He'll probably try to walk out. That's normal too. Don't worry about the amount we actually settle on. The Stroud Eklund Discretionary Fund is just a chip to you and me. Our goal is to get him to accept that chip in exchange for the artifact. Anything goes as long as it's in our hands, and we're not dead. How does that sound?
Parfait. This will be fun. I find matching wits with the Neon Underworld to always be invigorating. Il prend trop de plaisir en fait, surtout pour son fun à lui, franchement. Nous, on est juste un pion et on commence un peu à... Je commence un peu à fatiguer là avec tous ces trucs à faire. Mais lui, il prend son pied, hein. Lui, il s'amuse. Hey, no funny stuff with that boost pack. Ouais. So you're Stroud. You look different in person. Our public relations always insists on doing some touch-ups for the official photos. Embarrassing, really. Your security here going to stand or sit for this little meeting? Making me nervous. Je peux m'asseoir. Je ne voudrais même personne à l'aise. Je voudrais mettre personne à l'aise. So mal à l'aise, pardon. Almost makes me forget what planet I'm on. C'est parti. Qu'est-ce qu'on fait? On se booste en conversation au cas où? Juste au cas où? Am I to assume that briefcase has our item of interest? Yeah, here it is. Well, look at that. Ooh, c'est bien ça, en fait. One of a kind. Parfait. And I know you want it. I have the amount we agreed on. Things have changed. I want double. Okay, now how am I supposed to do that? I don't know, but your security here seems to have some fancy gear. Why don't they chip in? Arrêtez de bluffer, zone de vite fait. Soyez raisonnable. Saisir l'artefact. Activer la porte à distance pour qu'elle se ferme. Ah, j'ai envie de tester des trucs. What the? Security! Faire un signe de sécurité à Néon. La sécurité et moi avons un accord. Ils n'interféreront pas. As you can see, we're in control. Take advantage of our generosity. Take the money. All right. Parfait. Okay. It's all yours. Hope I never see any of you people ever again. We have it. This couldn't have gone better. Well done. Some high pressure tactics, but we got what we were after. Le mec est toujours là. Hein. Go home. Shall we? Bon bah, ça va, c'est bien passé. Stop right there. Oh man. You're in possession of Slayton Aerospace property. Ah. Slayton must have been the original owner. Oh, we don't need to do this. All's fair on Neon. Am I right? Hand over Mr. Slayton's property. Now. Alors, ne faites pas ça. Attendez. Faire un signe de sécurité. Peut le persuader ou faire un signe. Dans un sens, le persuader, on peut peut-être avoir quelque chose. Non, on va faire un signe, fais voir. There a problem here? Yes. This armed thug was trying to steal our belongings. I'm going to need you to back away from our VIPs now. Fine, but you can't stay in the Astral Lounge forever, Stroud. Nicholas Slayton's already got your number. Sending armed men into the Astral Lounge. Slayton must be serious about getting the artifact back. Huh, okay. We better get off the planet quickly. Ça marche, on se casse. Merci, sécurité. Bon, bah on a récupéré notre artefact, c'est bon. Nickel, on se casse. Il y avait plus grand chose à faire sur Néon, je crois. Enfin, si, techniquement, j'ai plein de petites quêtes secondaires, mais ça va. Hein. Il y en a déjà assez. Ace. Something's gone wrong, hasn't it? Slayton has put a bounty on your heads. Oh, he squeezed a few palms. Your ship's been impounded at the spaceport. Ah, putain. There goes our way out. Eh bien, Walter, je croyais que ça devait être facile. Yes, I'm fully aware this has not gone according to plan. Slayton Aerospace has offices here in the Trade Tower. If Nicholas is moving this quickly, he must be there or close by.
Let's head to their lobby, shall we? See if we can make an appointment. Ok, on va parler aux concurrents du coup. Super chapeau les gens. On va parler à leurs concurrents. Ils essayent de récupérer l'artefact. Et de nous bloquer surtout. Ils ont bloqué notre vaisseau et tout, c'est super. J'ai l'impression de jouer à Deus Ex des fois. Enfin, surtout ici. Faudrait que je leur fasse Deus Ex Mankind Divided, il était vraiment cool. Slayton. Un jour peut-être on aura... These idiots aren't quite as honest as the Free Star Rangers. Ok. Peut-être qu'un jour on aura un nouveau Deus Ex. Un jour. Slayton Aerospace. Ouh, c'est classe. On peut regarder ce que vous vendez d'abord. Welcome to Slayton Aerospace. Can I help you? Attaquer. Vous avez immobilisé mon vaisseau. Vous êtes tous morts. À un moment, genre en New Game Plus, on fera un truc comme ça un jour, je suis sûr. Le mec est super vénère. J'ai besoin de prendre rendez-vous. I'm afraid Mr. Slayton is a very busy man. Alors, croyez-moi, c'est un matin. Ah, there does seem to be a hole in his schedule. Ah, ça ne sera pas long. Il s'agit de là d'un malentendu. Maybe I could squeeze you in. Let me see. Oh, voilà. I think we can make an exception in your case. Mr. Slayton will see you. Just use the elevator. Merci. Vous êtes tous morts, putain. Hardcore. Alors, attends. C'est quoi ça, la sécurité? Get out. Oula, doucement, désolé, pardon. Ah ouais, ils sont vénères, hein. On a mis un pied où il fallait pas, ça y est quoi. Wait. This clearly isn't the executive level. He's on to us. Walter. Taking what's mine and then breaking into my office. A bold move. But one easily countered. Oh, we're trapped. Hello, Walter, dear, are you there? Issa? No. I'd like, but I managed to pay off one of Slayton's security consultants. Oh. They've patched me in. All right. We've got our... Ah, j'ai cru qu'elle était avec les méchants, elle. Okay? Je fais partie du peuple de l'ascenseur désormais. Je bâtirai mon royaume ici. J'aime bien faire des blagues, mais des fois, c'est un peu bizarre. Ouais, ouais, on va suivre ces instructions. I'm aware of the irony of me continuing to say it'll be easy. But it'll be easy. Doors will open in 3, 2, 1. Slayton's guards and employees are all over. Be careful. Okay. You'll want to use the vent system to slip around unnoticed. There's a cupboard just to the right of the elevator you came in on. Okay. Ok. That's the elevator you came in on. Jump right across the top of it and keep going to the end. Ça marche. J'espère qu'elle m'envoie pas dans un piège, elle, parce que ça serait un peu con quand même. Enfin, c'est un peu con. Ce serait un peu triste pour lui, quoi. Drop down and follow the conduit all the way to the end, past the fork. Ok. On pourrait passer par là. J'ai envie de voir ce qu'il y a derrière ça, moi. Ok. Pardon.
Je pense qu'en fait, on peut passer par là si on fait la façon bourrin, en fait. Oh, est-ce que je peux utiliser un pouvoir pour voir à travers? Je vais voir un peu. Je vais voir si ça marche. Ça tue. Ah, j'avoue que pour l'infiltration, en fait, c'est vachement bien. Ah ouais, non, mais c'est super pour l'infiltration, en fait. J'avais pas trop pensé à ça. Attends. C'était là? Ouais. On recommence. Parce que, honnêtement, combattre tout le long, ça va pas être compliqué. On va défoncer tout le monde et tout ça. Donc je voudrais faire un peu d'infiltration et voir où ça mène, quoi. Parce que tuer tout le monde, ça va pas vraiment être très très compliqué, hein. Donc voilà. Allez. Ouais, voilà. Ah, merci. Alors attends, par contre, j'ai vu un truc là. Qu'est-ce que c'est que ça? Chargeur allongé de la capacité, corrosif, élémentaire. Oh, c'est bah, c'est nul, honnêtement. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on. Genre, pourquoi je me suis fait voir? C'est parce que j'étais pas accroupi en fait. J'ai zéro hein, en infiltration, j'ai strictement rien, donc bon. C'est sympa, nous aide même pour les robots et tout, c'est cool. On va retenter un peu l'infiltration. Mais... Après, si il faut vraiment avoir une habilité pour l'infiltration et augmenter qu'on n'y arrive pas, bon, on fait autre chose, quoi. Mais je crois qu'en fait, je suis supposé faire ça. Hein. Genre rester. Me mettre en infiltration et pas sprinter partout, quoi. Pourquoi là il crie? Ok. Et c'est à cause de Sarah? Après, il y a Sarah qui se balade. Un peu comme ça, quoi, aussi, hein. Je veux pas dire, mais je pense que c'est à cause de Sarah. Hein. Oh.
ils sont quand même méga résistants. Bon, on tue tout le monde. Costume, corpo. On va le prendre les costumes. Merde, putain, mais casse-toi. Tu peux pas avoir une arme, uniforme de vigile, je veux bien ça. Bon, on fout le bordel, hein, de toute façon. De toute façon, c'est mon style, c'est pas grave. Tu veux pas une arme, Walter ? Je sais pas si mon pouvoir est vraiment très très intéressant. Là, tu fais chier d'être en plein milieu. Sérieux là? Show me what you got. Je peux pas le relever. Ouais, je sais pas. J'aime pas trop le pouvoir par contre. Je suis pas certain que ça me plaise comparé à l'autre pouvoir. Bon, après on peut l'utiliser plus souvent, je pense. Bon allez, on y va parce que ça commence à me gaver. Reviens. Je veux pas dire, mais là, pour faire méchant, il n'y a pas plus. Hein. Que là on tue les employés et tout quoi. Not another one for me. Une forme de vigile, comme ça on regarde un peu ce que ça fait. Ah, ça y est, t'es là, tu t'es réveillé. Merde, putain. Pardon. Quel bordel. Ah
J'avoue que de le faire comme ça, c'est pas super fun. Là, c'est un peu... C'est très fouillis, c'est très n'importe quoi, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Comme j'ai dit, on ne s'infiltre pas, nous. On va voir un peu ce qu'on a récupéré. Ça, c'est des trucs volés, mais bon. Je sais qu'à un moment, je me suis fait arrêter et j'ai dû payer une amende et tout ça et les rendre. Mais bon, c'est comme ça. Dégâts au corps à corps. Alors, fais voir un peu. Ouh. Change d'intimidation. J'avoue que moi j'aime bien. Moi j'aime bien le style. Dans un sens, je suis assez content en fait. Est-ce que sur toi, qu'est-ce que ça donne sur toi? So, what's new with you? If you have any gear. Alors, tenue, vigile. Tenue, vigile. Oh damn. I was starting to enjoy the conversation. C'est pas mal, c'est pas mal. Il nous faudrait juste un casque en fait. Je dirais pas non à un casque. Oh. Du monde. Il est où l'autre? Jouer. Est-ce qu'on peut trouver un casque? C'est quoi ça? Je vais bien le prendre. Dans celui-là, dans ce jeu, c'est un peu plus difficile d'avoir les vêtements et tout ça. Si on les a pas tout le temps en fait. Enfin, voire rarement même. Dans Fallout, on avait toujours les vêtements, je crois. On va monter. Il nous a pas vus. Putain, les dégâts que ça fait ce truc quoi. Oh, casque de garde. Huh. Voir un peu. Du coup non, on peut le mettre. Ça fait aucune stat. Hein. Non, ça fait aucune stat. Bah après ça fait vigile quoi, mais moi j'aime bien côté armure et tout ça. Après c'est pas vraiment le truc qu'on va voir souvent, mais... Non, moi j'aime bien. Il me faudra un autre casque. See that shroud covering me on? Believe it or not, you're looking at the only city in the settled systems that powers itself from lightning.
Il nous faudrait un autre casque, on lui met à elle et on est nickel. Après, je peux comprendre pourquoi c'est utile, là, le pouvoir de voir les gens à travers les murs et tout ça. How many poor souls who couldn't make it in New Atlantis ended up working at the fisheries in Neon. Ouais, you're coming in just behind the executive elevators. I'll call the one on the far end, and you can walk right over the top. Merci. Je suis pas très fan du pouvoir, encore une fois, je répète, mais... Je sais pas trop quoi en penser. Qu'est-ce qu'on fait? On a autant de niveau de pouvoir que de points. Temple non découvert 6. Je sais pas. Allez, c'est parti. Bonjour. You know, it's moments like this that really makes Neon the best place to do business. You steal what's mine. I trap you in the city. You infiltrate my office. I lock it down. Where else can you match wits for the highest stakes but here? Rappelez vos gardes et libérez mon vaisseau. Vous êtes pris à la mauvaise personne, moi. Ah, it seems you have chosen more violence. Very well. On a des gardes un peu partout. Mais pour elle aussi. This one's down. C'est quoi ça, Nova Blast? Ah oui, c'est ça. On va monter. On est en train de défoncer tout le monde hein, de chez toi, mec. Oh putain! Un casque. Comme j'ai dit, hein, tuer tout le monde, c'est pas très très compliqué. Hein. Parce que... On est quand même très puissant. C'est marrant parce que les objets volés, en fait, on les utilise pas. Mmh.
utilise d'abord ceux qui sont pas volés, donc je comprends pas trop comment ça fonctionne. Oh, caisse d'armes. Poinçonneuse. Pardon, déjà fatigué. En bleu, ouais, c'est pas intéressant, mais. Bon, quelqu'un a un casque pour nous? J'avoue que c'est un peu triste. I don't stock up on junk. C'est pour ça que ma vue a été troublée, je crois, parce qu'ils ont tous des armes comme ça là, de électromagnétique. Je crois que c'est pour ça que ma vue a été toute troublée à un moment. Comment tu le mets celui-là? Comme ça. 1, 2, 3. Non. Comment tu mets ça? 1, 2, 3, 4. Très bien. Là, il en reste 1, 2 et 3. Encore ? Putain. On va se faire virer de néon d'une force, nous, à foutre la merde comme ça. Un, deux, deux et deux. Ah, il y a plein de choix là. Un, deux, trois. Ah, attends, je crois qu'on est bon. Non, pas celui-là. Celui-là. Oh, vache! C'est qui, ça? Musgrove. On peut lui parler? Shaker fermé. Bonjour. You? Ah bah enfin. Slayton came after you too, huh? You're gonna let me go? Où est l'argent? Slayton took it all. Probably in one of his secure accounts somewhere. Who cares about the money? We need to deal with this imbecile. We'll need to go into arbitration to get it back. Lawyers, backbiting conference calls. I'll handle it. Ça marche. Thank you. No offense, but I hope we never see each other again. Wait, you're letting him go? Why the hell would you do something so foolish? The feeling's mutual. Ah. Don't worry. I'm getting out of the city. First chance. Ah merde. Vous êtes sérieux? Vous êtes pas content de ce que je viens de faire? J'en sais rien, moi je veux être gentil et tout. C'est un peu compliqué des fois de savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Genre ça, il faut être gentil avec tout le monde, puis des fois non. Enfin, on le livre à la police, quoi, en fait. Ils devraient mettre entre parenthèses genre ce que les gens préfèrent, en fait.
parce que de recharger les parties, c'est pas trop trop fun. Bon mec. You. Ouais, Slayton ouais. Came. Slayton. Who cares about the money? We'll need to go into Arbor. What? You're just going to leave me here. I hope you enjoy prison. I hear the one that Neon uses is brimming with all sorts of lovely people waiting to break your arm. You'll be oh, fine. Fresh. Neon security will show up eventually. Eh ben. Oh. Oh putain, maître, bordel. Oh, on n'a pas fini. Hein. Alors, celui-là. 1, 2, 4. Est-ce qu'on a 2 et 2? Si, on a 2 et 2. Ok, celui-là. Un seul. Là, on peut le faire après le reste. Hop. Maintenant... Nickel. Alors, des crédits, du soin... Un pistolet à la con... Bon, après, il vaut cher, mais bon... pas vu l'argent qu'il y avait dedans, j'ai pas fait attention. Consolidation, plus votre santé est faible. Ah oui, oui, oui. Ça j'aime bien. Honnêtement, la consolidation, je trouve ça vachement intéressant. Genre plus la santé est basse et plus la défense augmente, du coup on peut aller jusqu'à plus 100 en fait. Et apparemment ça fonctionne pour physique et énergie. Oh mon dieu. De la contrebande. Okay, il ne reste plus qu'un. Composants de méca, on en a 8. La vache. Quoi ce bruit? Il y a des gens qui marchent. Hey, that isn't yours. Eh oh. Ok. Je crois qu'on a tué quand même plein de gens. Tu crois que... Hein? Genre, est-ce qu'on peut fermer les yeux pour le fait qu'on a volé un truc ou pas? Bon, allez, on se casse. Bon, je préfère quand même maintenant notre tenue. Hein. Ça fait un peu plus militaire et tout, c'est sympa. Je pense que tout le monde va... Je vais essayer. Hein. Je vais essayer d'avoir que des tenues comme ça pour tout le monde. Moi, j'aime bien. Oh merde, bonjour. Get going. Mr. Slayton is done with you. Have a nice day. Get going. Mr. Slayton is done with you. T'es sûr ou pas? On peut encore tuer tout. Enfin, attends, est-ce qu'elle va me faire la gueule ou pas? Uniforme de vigile. On a combien de... Ok. On va pas porter grand chose. J'ai un truc à côté.
Toi. Oh, la défoncée. Ah merde, elle. Merde, elle est morte. Carte d'accès du directeur. Chier. Clé de service de Slayton. Ok, cool. Oh, il a pris une arme, ça y est. Cool. C'est bordélique là par contre. On n'avait pas besoin de le faire, mais encore une fois, un casque. Je cherche un casque. What? Putain, tout cassé quoi. Quelqu'un peut me donner un casque? Toi, tu peux peut-être donner un casque. Comment on monte? Oh le bordel. Comment on monte? Là, jamais je le fais en jetpack. Hein. Ah, on n'avait pas visité ça. Ah, ok. Intéressant. Il y a une carte d'accès. Ok. Combinons cet ouvrier, non. Pain. C'est quoi ça? Code de service. Je leur tirerai pas dessus exprès, hein, mais bon. Elle est très vénère. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai réalisé qu'elle avait genre la compétence pour les lasers, ouais, non. On va lui donner que des lasers. Donc je crois pas que je peux monter à ce niveau-là. Hein. Ah, t'es descendu du coup, cool. Ah oh, putain. Bon, c'est pas grave. Après, j'ai vu qu'il y avait un ordinateur. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Attends, il y a quoi là? Ah. On peut le mettre d'une autre façon là, non. Il reste 1, 2, 4. 1, 2, 3. Forçage de l'accès de l'ascenseur. D'accord. This is hopeless. I'm out. Mais ça, je crois que c'est quand on le fait bourrin. Hein. Ouais, donc il y a plusieurs façons de faire, faire la chose ici. C'est sympa. Bon, je pense qu'on peut... La suite céleste. On peut y aller ou pas? Non, accès restera.
siège de Xenofresh. On visite, vu qu'on fout le bordel, est-ce qu'on visiterait pas un peu? Tevin Anastas has run into some trouble. Word to Welcome the wise, to Xenofresh. You don't want a piece of How that. Can I help you today? Xenofresh is the best place to work in Neon, hands down. The pay is good, the hours are respectable, and the company's profits are skyrocketing. We're fortunate that Administrator Bayou dedicates his time and brilliance to see our company excel. Mm-hmm. It was nice talking with you. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial ici? Can't talk. I've got a deadline coming up. Ok. Vous avez entendu la fusillade en bas? Faut faire gaffe, hein. I don't really have time to talk, so make it quick. You're not a plate of croissants. Alors, je crois que c'est le bonjour le plus bizarre que j'ai jamais eu. If you aren't delivering the food that I ordered, then why don't you simply say so? That foolish girl up front must have allowed you back here. I'm going to have a bit of a chat with her later. Look, I'm really quite busy. If you're not here on Xenofresh business, I'm going to have to ask that you leave. Qu'êtes-vous? My name's Libby Groth, and I am the CFO of Xenofresh Fisheries. And since I answer directly to Administrator Bayou, I hope you aren't here to cause any sort of trouble. The last thing I need right now are more protests and complaints to deal with. Quel genre de manifestation? Everything under the sun, from unfair business practices to reported bad working conditions to the price of Aurora. We're the number one most successful corporation on Neon, so we're obviously a huge target of opportunity for slander and false accusations. Everyone's looking for a free handout or a tiny piece of the massive success that we've accomplished. Mm. Well, I'll tell you the same thing I tell them before I have them escorted out. It's not going to happen. Not on my watch. Are we done here? Ouais, on se casse. Oh. Allez, on y va. On y va, Sarah, parce que là, y a rien d'intéressant. J'aurais bien voulu trouver un truc un peu spécial. Strano. Génerdine Industrie, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font ici? Yeah, what? Is this important? I'm really busy right now. Mais il y a tout le monde qui fait la gueule, c'est chaud. If you're here for a job, we're not hiring. If you're here about the conduction grid tour, we shut it down a year ago. Oh, là, 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 là. Good. If you were, you'd be the 12th person I've turned away this year. What a waste. Look, I'm sorry if I'm blowing up at you, but I've got a ton of problems and no time to deal with them all. I'm afraid that things aren't going terribly well around here. Selon moi, cette compagnie aurait dû faire fortune. I wish that was the case. Fact of the matter is, we're barely treading water. The conduction grid went online almost 75 years ago. And since then, we haven't developed a single groundbreaking innovation. At this point, the money we're taking in as a power utility barely covers the waste that's going on in the research and development division. Je sais même pas ce que vous faites. On dirait que vous avez besoin de changer de responsable R&D. Vous cherchez développement. You'd think that, right? The problem is that Brayson Bayou, Administrator Bayou's brother, ah, c'est is le currently frère. Heading up the R&D division. I swear to you, the man doesn't know the first thing about power systems or electromagnetic technology. Il doit y avoir un autre scientifique qui travaille avec Brayson. Of course there are. But so far, Brayson has suppressed most of their work through pure jealousy. Look. I'm running out of options. No one above me seems to care what's going on, but I'm willing to take a chance. I have a full report on Brayson that I want to send to Administrator Bayou, but I don't know if he can be trusted. What do you think I should do? Si vous êtes inquiet pour la compagnie, envoyez le rapport à Administrateur Bayou. Oh, putain. Administrateur Bayou est un homme dangereux, plus ce rapport.
Non, envoie-le. You know what? You're absolutely right. I can't allow Brayson to run this company into the ground. Hey, look. Thanks for helping me out with this. Bon, après, c'est son frère. Peut-être qu'il va le défendre. If there's anything else you need, any questions at all, feel free to ask. Enfin, honnêtement, t'es juste dans la merde, mec. Alors, le réseau conducteur. The span above the city is outfitted with a specially developed electromagnetic absorption system. When a lightning discharge hits the span, the energy is instantly distributed across the grid to prevent overload. The energy is then transferred through a series of polyphasic capacitors and rectifiers to ensure all of the negative and positive strikes are equalized. At this point, the energy is clean, and it gets stored in massive storage cells in Neon's underbelly, from which it's parceled out and used for power. Wow. It was great speaking with you. C'est super fun. The way things are looking at Genodyne, might be time to polish up my resume. Genodyne. What? I'm working here. Bon allez, cassos. You don't want to pick a fight with me. Ah, oh, y a rien à faire. Corps kinétique. On visite les différents étages. Tant qu'on y est. Ah, des armes. Hey, you look like someone who craves serious firepower, yeah? Well, don't sweat it, I've got you covered. Ouais, je suis américain. I like your style. And I'm not just saying that, I mean, I really like your style. You see, I had you all figured out the moment you walked into my showroom. I said to myself, Matthias, that looks like the kind of person who blow a hole in the wall to get to their goal. I'm talking military-grade, state-of-the-art weapons hardware. Click. Bang. Am I right? Alors, sacré discours de vente. Je suis plutôt du genre Klingboom. Vas-y. Oh, don't worry. We sell all sorts of nifty noisemakers around here. Just stay with me for a second. Imagine being completely surrounded by Crimson Fleet pirates with nothing but a Magstorm and a few hundred rounds. You wouldn't even break a sweat. You, my friend, are perched on the edge of infinity. And Core Kinetics would love to come along for the ride. So what do you say? Well, now, that's what I'm talking about. Let's get you tooled up and on your way. Wait till you add one of these babies to your arsenal. Alors, si t'as que de la merde, je vais faire la gueule. L'arme mentale, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Munitions 50 AMI? C'est bizarre. Waouh, c'est quoi ce truc? Poison Storm, inflige aléatoirement des dégâts de poison et ralentit la cible. Balle à uranium appauvri, grande vitesse. 400 de vitesse. Oh, 400, c'est énorme. Magshot. Magpulse. C'est quoi ça, en fait, ça? Magpulse? Non. Bah, je suis assez curieux. Ah non. Non, non, ça va. Non, non, ça ira. C'est le truc qui fait 40 000, ça va. Je vais pas payer 40 000, ça va pas la tête. Ça a pas la tête. Je vais voir tes munes. Acheter. Ah bah tu vends que ouais pour que pour ce que t'as quoi. Remember, if you've got the creds, we've got the core. If
you want to talk, you'll have to schedule an appointment. Bon allez, ouh la vache. Bon, je suis un peu déçu, il n'y a rien de très très spécial. Légèrement déçu. Bon, ça va, vous en foutez ? Ouais, ouais, t'inquiète pas. Tout s'est bien passé. Tout s'est extrêmement bien passé, sans accroc. On a des vêtements de vigile maintenant. On a de la contrebande. Oui, on a de la contrebande sur nous. Non, mais les autres, ils cherchent que du néon de toute façon. Pas de la contrebande. Après, je sais que le néon. Pas le néon, l'aurore. Après, l'aurore, c'est de la contrebande, mais normalement, ils nous stoppent seulement si on a de l'aurore. Pourquoi tu m'as dit d'aller là ? Par là-bas. Après, c'est stylé hein, avec notre truc de vigile. Là, je suis content. J'aurais bien voulu avoir un autre casque. Ouais, au revoir. Hein, on n'a pas d'aurore. On a de la contrebande par contre, mais bon, ça va. J'aime bien le fait qu'on ait tué une personne importante à Néon, qu'on ait foutu le bordel et tout va bien. Grosso modo, c'est pas un peu étrange ? C'est moi qui me fais des idées. Faut vraiment que j'arrête de faire comme ça. Faut que je me mette en cockpit directement et après que je passe par la soute, par le menu en fait. Ça ira tellement plus vite. Alors. On stocke ça et on a l'artefact avec nous. Du coup, j'imagine qu'on retourne à la loge. Rejoignez le vaisseau. Cold-blooded murder was a line I told myself I'd never cross. Do you really think we did the right thing back there? There was no other way. Nous avons l'artefact, c'est tout ce qui compte. I can't argue with that. I'm just used to costs only being measured in money. Whenever I can help it. Well, I may not agree with every outcome, but you did everything to accomplish our goals and more. I don't often get a chance to work in the field. So, thank you. Ah, je l'avais dit, hein. Oh, on a eu des trucs. J'avais dit que lui, il était content de voir de l'action un peu. Ah, on aurait peut-être pas dû partir comme ça. Si on se fait contrôler, ça va être la merde. On verra. On va aller sur notre lune là pour mettre ça de côté. Wow. C'est quoi ça? C'est quoi ce vaisseau bizarre? That's not any type of ship I recognize. Identifiez-vous. The fact that you do not know says much. We are the Starborn,
Astrien. Tell us, please. What are the artifacts? What are they for? Did you make them? What gives you more right to them than humanity? Answering your questions is exactly what we cannot allow. Abandon your thirst for knowledge or drown in it. What the fuck? Vous observez les humains depuis longtemps. We are growing impatient. Cease your attempts to stall for time. But you speak our language. We know everything about you. That is why your kind cannot have the artifact. C'est un peu tard, hein. Dites-nous au moins qui vous êtes, appelez-vous comme vous voulez, à mes yeux, vous n'êtes que des voleurs. A sentiment that is shared by my kind about you. We're not the ones making threats. Your moral grandstanding is hollow, as is your position. Make up your mind, or we will act. I'm not liking what I'm seeing on the scans. Energy output from that ship is far above the normal range. Ouais, d'accord. If we spin up the grav drive now, we have a chance. Merde, t'es sérieux là? Manœuvre d'esquive, tirons-nous d'ici. Je vais passer l'artefact par le sas. Ils peuvent l'avoir. Je vais les réduire en poussière des tours. Ok, manœuvre d'esquive. We'll get through this. Hold on. Go. Oh, on est mort. Oh putain, on est bon. Ils l'ont réparé à temps. Grab jump spinning down. I've never heard of these. You're about to enter United Colonies space. Speculation bomb. Oh, problème d'esquisse, c'est 100%. Need to regroup at the lodge immediately. Tell Noel to analyze the data off the ship's sensors. Everyone's going to want to weigh in on this. We say again, respond immediately, or we will be forced to open fire. Eh merde. We have a hostile in orbit. Deadly force is authorized. What? Moving to neutralize suspect. T'es sérieux là? Eh merde, c'est pas ça. C'est pas ça. On va crever. Not good. Lost the grab drive. On va crever. C'est débile. J'ai voulu répondre, j'ai pas eu le temps apparemment. Il y avait l'autre qui parlait en même temps et tout. Fait chier, putain, c'est con ce système des fois. On aurait dû sauter autre part. Tell Noel to analyze the data off the ship's sensors. You're on the wanted list. C'est quoi le chiméra? Objet volé confisqué, je vais payer l'amende. 1100? C'est rien du tout. Copy that. Stay on course while we escort you in. C'est juste les objets volés en fait. C'est même pas les... Ouais, c'est juste les objets volés en fait. Ça va. Oh. Casier des objets volés. Ah.
Ouais, non, c'est juste les objets volés normaux, en fait. C'est pour ça que c'est pas cher. Mais on est passé tellement de fois, on est rentré tellement de fois, apparemment, on a eu que de la chance, au final. On a eu simplement de la chance. Chiffre, on avait quand même pas mal de trucs. Je sais pas si on peut blanchir les objets volés en fait. S'il y avait un moyen de blanchir ce qu'on volait, ça serait vachement intéressant. Un peu comme à la War Tales. Quartier du trésor, c'est ça qui m'a donné. Plus bien sûr, on peut transpercer même les armures les plus. C'est pas vraiment intéressant. On n'a pas grand chose à te donner en fait. À vendre plutôt. On peut réparer notre truc. Got anything you need to offload? You were able to land it, so I'm sure whatever is broken can be fixed. Merci. If you want help, I'm here. Ça marche. How can I be of service, Captain? On peut leur mettre des tenues de vigile à tous là. Je dirais pas non, honnêtement. Il est où Sam? All is well, Captain, all things considered. Ok, ça c'est cool, elle est avec Captain nous. On deck. Bah, normalement, quand Capitaine on deck, là, tu dois pas te mettre debout et saluer. C'est pas comme ça que ça marche. Il est où Sam? Ou alors il est pas là. Je sais pas. Il y a Barrett. So, you gotta fill me in on what happened at the temple. What happened? What did you see? Ah oui, la première fois qu'on a fait un temple, ou je sais plus exactement à un moment, il y a plein de gens qui me disent qu'il faut leur parler, genre faut parler à Barrett, faut parler à Sam, faut parler à machin. C'était comme de vieilles ruines, je ne sais pas, que je ne sais rien. C'était une expérience religieuse. Ça ne ressemblait à rien de ce que j'ai pu vivre jusqu'à présent, c'était si étrange. Sounds like we need more data to me. Then what happened? I heard you did some stuff and then you changed. Je n'ai pas changé, mais ma perception de l'univers, si. J'ai eu un pouvoir. Je suis trop cool maintenant. Okay, good. I like the positivity here. Keep that up. You encountered advanced technology that altered your biology in a way that results in what? Superpowers? C'est ça. J'appelle ça mon pouvoir, mais peut-être plus une maladie que je... Non, vous êtes jaloux, hein. En gros, oui. Fair enough. Maybe we can run some tests later. Anyway, thanks for filling me in on the temple and your power. I wonder if we can find any more traces of whoever built them. It just opens up a world of questions. It's so exciting. Ouais, les autres, ils ont l'air vénères, hein. Talk to me. Happy to help. Let's see what I've got here. Toi, on peut... Leur tenue. Hop. Je t'ai pris tes munitions, mais peut-être que j'aurais pas dû. Alrighty. Voilà, c'est déjà pas mal là. C'est bête qu'on peut pas les spécialistes là. Leur mettre des vêtements et tout ça.
Ça serait bien qu'elle monte de niveau, ça serait vraiment cool ce système, mais bon, ça m'étonnerait. Il y a un truc, je suis un peu déçu hein, quand même, hein, et c'est ce que je pensais hein, quand le quand je voyais les... Hey, can we skip the local chunks this time? Never agrees with my stomach. Les trailers et tout ça, Captain, Vasco, on peut pas le modifier. Hein. Greetings, Captain. Hey. You may. I have no concept of privacy. Goodbye. On peut pas le pimper en fait. Enfin bref, c'est pas grave. Bon, du coup, ils veulent que je retourne à la loge, c'est ça? Parler à Noël. Pouvoir venu d'ailleurs. Obtenez le pouvoir de Gunibou 2. Ah, ok. Maintenant, on a Astria. Donc, survécu à la rencontre avec les Astriens. Nous devons retourner à la loge. Raconter aux autres ce qui nous est arrivé. Ok. Alors, on va faire d'abord juste un petit détour. Très vite. Très, très vite. Alors, Valo. Je fais juste un petit détour là. C'est deux temps de chargement, c'est tout. C'est pour déposer la contrebande, en fait. Ah merde, la contrebande, elle est où? Elle est dans la soute ou elle est sur moi? Ça m'embête, ça. Ouais. C'était en vaisseau. À chaque fois qu'on est en tenue, j'évite de me mettre en troisième personne parce que c'est quand même pas beau. Alors ça, loot. C'est où c'est là? Non, je ne sais plus. Ils nous ont... What? Ils nous ont enlevé la contrebande ou on l'a pas pris? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vraiment fait attention, mais peut-être que en fait ils nous ont enlevé la contrebande. Ben, ça c'est... Pourquoi il y a deux alignes? Ah putain. Crédit, il y a des crédits. Bon, après c'est pas très grave, hein, mais je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre sur eux qu'on n'a pas vraiment payé en fait. Je suis pas fou quand même. C'est toi, Sarah. Bon, c'est pas grave. Y a qui d'autre dans chez nous là? Okay. J'ai l'impression de tourner en rond là. Je sais pas pourquoi. Vaisseau pirate. Sam, il est à la loge.
Andréja et la loge. Ah ok, c'est quand on réunit. Je comprends pas pourquoi elle est sur vaisseau pirate. ok. Très bizarre. Je sais pas ce qui se passe. Bon, on fait quoi maintenant? On rentre, vu que j'ai pas de... de contrebande de toute façon. On rentre à la loge. Comme ça, on finit. Ouais, on va faire ça. Alors. Hop. J'adore que ça, ça se fait automatiquement, c'est stylé. Allons parler des nouvelles créatures là. Ah oui, on a pris un niveau aussi. Faudrait que j'aille détruire des vaisseaux. Je pense que je vais essayer de détruire des vaisseaux. Il faudrait faire un vaisseau de combat en fait. Ouais. Enfin, je sais pas, on verra. Mais on va essayer de... Je vais essayer de détruire pas mal de vaisseaux. Je crois qu'il faut que j'en fasse 15. C'est énorme en fait, 15. Au final, quand on y pense. On n'en tue jamais vraiment 15. C'est pour ça. C'est pour technicien, pilotage. Il me faut 15 frags. Et après, on pourra débloquer la compétence B. Enfin, les vaisseaux de classe B. Et je voudrais vraiment le faire. Parce qu'il n'y a plus vraiment grand chose qui nous intéresse. Après, c'est du surplus. Mais c'est vrai que là, les vaisseaux, ça serait vachement bien. Good to be home. Parce que les vaisseaux B et C, c'est énorme. C'est magnifique. Allez. Les Astriens, là, ils sont pas contents. How is Neon? Are you okay? Alors, il faut que vous regardiez les données des capteurs du vaisseau. Ok, I'll start transferring the data over now. Let me just bring it up on here at the table. Is that a prototype? No, that material isn't anything we... What the... Everyone, come take a look at this. That's no faction vessel or Crimson Fleet. Secret military tech, maybe? No United Colonies Admiral approved that starship design. They call themselves the Starborn. Demanded we hand over the artifact. Like we were children, playing with their parents' things. What do people know? Any offshoot groups go by that name? Not in any corner of the settled systems I've seen. Maybe a distant human colony finally popping its head up. Another house for ruin. Ils auraient pas l'air d'être humains. Hein. We ignoring the obvious here. A heretofore unknown group who just happens to know about the artifacts. I'm just going to say it. Intelligent alien life or extra-dimensional beings. Je suis d'accord avec Barrett pour le moment. Je pense que c'est des extraterrestres aussi. Or beyond even that. Is the metaphor of avenging angels coming down to keep humanity from forbidden knowledge not apt here? Okay, Matteo, non, tais-toi. So, we have a lot of theories, but nothing concrete. Except that they're after the artifacts, and they're willing to take them by force. Je suis d'accord avec Sam, ce vaisseau pourrait très bien être conçu par les humains. Barrett n'a pas tort, les astronautes ne sont clairement pas de facture humaine. La métaphore de Matteo n'est pas dénuée de vérité, il donnait l'impression de nous juger. Non, je dirais Barrett. No settled systems lab made these things, and I doubt one of them made that ship either. So, we got some weird extra-dimensional beings that coincidentally decide to build their spacefaring vessels exactly like we do. I'm not so sure about that. Ah merde. Noel, il a un start point, analyzing putain. All the data from the ship sensors. The gravitational wave they caused, scans of their weapons, shields, everything.
We're in the dark. We need to learn anything about them we can, including some way to fight them if necessary. Until then, we stay the course. Collect the artifacts. It's even more important now that an intelligence we don't know or understand is looking for them. Continuer, c'est dans cette voie, c'est à sa façon de vous préparer au combat. Je doute qu'il s'arrête là. All we can do is be more cautious, but we are not stopping. This could end up being a race we don't want to lose. Vladimir, has the eye picked up anything new? Some glints of shine in the dark. Ready to hand them out as soon as you please. All right. Good luck, everyone. And be careful out there. Okay. When the time's right, I'd appreciate a chat. I must confess, the hum of a grav drive makes me feel alive. Where to begin? That temple? The hell was that? I've been from one end of the settled systems to the other more times than I could count. But I've never, and I mean never, encountered something like that. Who built it? Why? So many questions. Et c'est notre mission d'y répondre. Yeah. No pressure. And what you can do? I am not a scientist, not in the least. But that ability, power, it's just plain scientifically impossible. Impossible ou pas, j'en suis capable. And there you have it. Forget about me, how are you? I mean, whatever happened, it could have deep physiological effects. I hope not mental. And even if everything's perfect, there... Still, I can't imagine what's going through your head. Je préfère me concentrer sur ce qui nous attend, pas comment je me sens. Je panique un peu, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Pour être honnête, je me sens bien, peut-être trop bien. J'ai comme une envie irrésistible de dévorer des cerveaux humains. You. Same old you. The other Constellation members are going to lose their minds once they hear about this. Assuming they even believe us. Par contre, bouge pas, toi. Share the wealth, right? T'as vraiment une arme de merde. Bon, je vais pas te prendre ton arme parce que voilà. Tenue. Toi aussi, parce que toi t'as vraiment une tenue de merde. Enfin, c'est pas qu'il y a une tenue de merde, c'est que j'aime pas tenue cowboy là. Take it easy. Allez, là à la limite tu peux garder ton chapeau avec ça, parce que c'est stylé. Voilà. Peux garder ton chapeau. Il nous en manquerait une pour elle, pour Andréja, mais Andréja en fait elle est stylée donc ça va. Elle a déjà un bon style en fait. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah oui, là, l'artefact. Putain, j'avais complètement zappé. Tout le monde s'en fout hein. On les a habitués à rajouter des morceaux d'artefacts, du coup tout le monde s'en fout. Plus personne qui regarde. C'est qui ça? Ah, c'est la gamine, c'est vrai. Oh, sore. One too many squats. You had a hell of a shake, getting bullied in the void. Starborn sure know how to make an entrance. Ready to head back out there? The eye can help you find the artifacts, but I'm afraid she's blind to our new competitor. Dites-moi tout ce que vous avez trouvé sur les artefacts. Double check the safety and locks wherever you go, okay? Exploration's dangerous, even without some nefarious group trying to kill you. Donc on a
L'un de parti à Gunmir. Que non, c'est quoi le nom? Ça c'est une carte. Ah, Gunibou. C'est pas très loin en plus, on est déjà allé. Ouais, voilà, c'est juste à côté. On n'est pas allé? Si, on est allé. Ah non, on n'est pas allé. Ah, ok. Je pensais qu'on était allé. Ah, on a un pouvoir, ok. Attends. Gunibou 2. On est peut-être passé du coup. Ah, c'est Inda en fait qu'on a vu. Attends. Oui, voilà, Inda on connaît. D'accord, ok, que j'ai redit. Ah, ouais. Ça marche. Bon bah du coup on va s'arrêter là. C'était un peu long. C'était un peu... pas long mais... soporifique j'ai envie de dire. Des fois c'est un peu soporifique. C'est tout le temps comme ça quand il y a des trucs avec beaucoup d'histoires et tout. Même moi j'ai du mal, je fais des gros blancs. Ça m'arrive. Parce que ouais c'est un peu soporifique. Mais ouais ça va. C'est pas très grave. En tout cas, on a fait Néon, c'était cool. On a des nouveaux vêtements et tout. Je suis assez content d'avoir quelques tenues de vigile, là. Comme ça, bon, c'est des tenues de vigile. C'est vrai que le nom, c'est pas très stylé, hein, je suis d'accord. Mais voilà, ça fait un peu armure et tout, donc je préfère. On a qu'un seul casque, par contre. Mais bon, c'est pas trop grave. On pourrait lui remettre sa casquette. Je sais pas si ça va avec. Enfin non, elle est bien comme ça. Mais ouais, au moins tout le monde est un peu uniforme et tout. J'aime bien moi ça. Je trouve ça cool. En tout cas, ouais. On va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois. Du coup, on a... C'est quoi ça? Qu'est-ce que spatial de constellation? Alors, c'est mignon. On a ça... Toujours notre armure, j'espère qu'on pourra la changer rapidement. Uniforme de vigile et tout, c'est très bien. On a eu des nouveaux pouvoirs aussi. Qui sont sympathiques, mais sans plus, je préfère quand même le champ anti-gravité. Là, c'est quand même vachement puissant. Pour la compétence, on n'a pas... On pourrait avoir plus d'oxygène. Qu'est-ce qu'on a? Un truc qui pourrait augmenter notre puissance. Genre, j'aime bien la furtivité, parce que c'est vrai que le débloquer au moins un niveau, ça serait intéressant. Après, qu'est-ce qu'on a? Dissipation énergétique. Dégâts d'énergie sont réduits. 25% de chance de renvoyer des dégâts d'énergie vers l'avatar parce que votre santé est inférieure à 50%. Équipage. Augmente 10 la résistance aux dégâts environnementaux atmosphériques. Chance de réduire les maladies suite à des dégâts. Capacité d'effectuer une glissade en combat. Sauter plus haut, courir plus rapidement après avoir effectué une glissade au combat. Nutrition, les boissons et les aliments sont mieux. Dégâts physiques sont réduits de 5%. Dégâts champ d'ignorer les attaques physiques. Régénération cellulaire. Ouais, c'est pas mal. Je regarde un peu ce qui peut nous augmenter la puissance en fait, enfin, notre personnage soit plus résistant et ça. Légère chance de récupérer naturellement une infection. J'adore les différents logos. Supplémentaire critique avec une arme corps à corps pour Manu. Dissimulation. Vous ne déclenchez plus les mines ennemies, les attaques furtives à distance infligent 2.5 fois plus de dégâts et vos attaques furtives au corps à corps c'est 4 fois. Passer en mode furtif vous fait disparaître aux yeux des adversaires lointains les attaques furtives. Distance avec 4 fois plus de dégâts. Et corps à corps 10 fois plus. Les attaques à main nue dépendent d'étourdir. Régénération. Vous régénérez lentement votre santé hors combat.
Vous régénérez vos points de vie hors combat encore plus rapidement. En outre, vous régénérez rapidement vos points de vie en combat. Oh, c'est pas mal, cette puissance. Ah, il y a du bon truc hein, dans le physique. Mais ouais, comme j'ai dit, je crois qu'on va essayer de se concentrer sur ça. Mais combattre, détruire des vaisseaux, c'est chaud. Mais je vais voir. Peut-être qu'on va... je vais devoir dépenser un peu d'argent. Et utiliser le vaisseau de Mantis pour en faire un vaisseau de combat efficace. Et ouais, peut-être. Même s'il a un bouclier de merde, je crois. Mais ouais, on verra. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao!